Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Holiesh. Manipulateur pour... Bah pour pouvoir faire matelot. En gros la combo c'est matelot, sang froid, t'as une 10 charges et tu fais manipulateur et t'as vapeur de dégâts. C'est ça en gros. T'as vapeur de Void Lord sans silence. Écoute, le Void Lord qui va se prendre un assommé, il va bien tirer la gueule hein, mon grand. Il va bien tirer la gueule. Normalement c'est un match-up où on peut justement aller faire la combo contre prêtre. Mat départ, qu'est-ce qu'on veut garder contre lui? On peut très bien garder ça dans l'optique de contrer. C'est un match-up où je garde commissaire 100%. Hein. Commissaire, je le garde dans le match-up. C'est quoi les cartes clés du match-up? Globalement, c'est quoi? C'est commissaire, c'est cartes clés. Malfra, ça peut être intéressant. Faldorei, c'est cartes clés. Menestrel, ça peut limiter de cartes clés vu que j'ai la pièce. Est-ce que ça, c'est vraiment cartes clés là? C'est bien pour gérer une claire, hein, mais il y a de fortes chances que ce soit contrôle. Et si je pars là-dessus. C'est vite la merde si je chope pas les autres cartes clés. Parce que ça veut dire que je pars sur une map early game et je sais que j'ai quand même beaucoup de cartes early. Donc je pense que je relance tout. Alors que souvent on va garder ça, mais dans ce match-up là j'hésite. Je pense que je vire tout. Je vais juste garder attaque sournoise à la limite pour la claire. Ah, Menestrel c'est cool, Malfra c'est cool. Alors que dans plein d'autres match-up, j'aurais gardé ça d'office. Hein. Pourquoi tu joues commissaire, il n'y a que Whispel. Bah, je pense que c'est pas compté, poteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enfin... Je pense juste que tu sais pas compter, c'est ça le problème. Le problème ne vient pas de mon deck, mais c'est mathématique basique. On va juste dag, mais on va pas taper. Parce qu'on a ça à jouer potentiellement T3 pour le booster. On a le Menestrel qu'on peut pièce, il y a la Marcheuse qu'on peut jouer assez vite. Miracle, c'est tier 2 ou tier 3, tier 8 à peu près. Non, Miracle, c'est du lot tier 2, tier 3. Mais non, c'est lot tier 2. Genre, Gang en Asie, il est top ladder avec. Donc non, c'est pas si mauvais. Tier 4, abusez pas, les gars. Oui, clairement, c'est commissaire qui fait vivre le deck, hein, 100%. J'ai quand même envie de sauver ma pièce au moment. Je vais juste faire Malfra. Et taper. Je vais faire Marcheuse T4. J'essaierai de faire genre. Peut-être attaque sournoise et Menestrel T4 ou T5. Ou alors choper T1, Flamta ou Matelot T5, peu importe. Pour le faire en même temps. Et essayer de sauver la pièce pour le commissaire. Parce que c'est un match-up où en gros, on veut gagner parce qu'on va jouer avec tout notre paquet, c'est-à-dire 30 cartes, contre un mec qui va jouer avec 15 cartes tellement on peut piocher avec le commissaire. En tout cas, c'est l'idée, c'est l'objectif. On va pas toujours réussir à le faire, mais c'est l'idée. C'est de jouer avec beaucoup plus de cartes que l'adversaire pour faire une différence. Et avoir une combo finish burst. Plus les marcheuses, les araignées qui vont venir faire un gros travail. On tape pas. Tu vois, nos malfrats, c'est le survie. Il y a peu de chances qu'ils survivent dans ce match-up là. C'est une belle cible à sommeil vu les pénis ici. Ça me ferait chier de claquer le sang-froid parce que j'en ai besoin pour la combo finish dans l'idée. J'ai juste envie de faire attaque sournoise et Menestrel ici. On veut sauver la pièce toujours. Est-ce que je tape? Non. Non, on va attendre. C'est globalement correct, ouais, correct de pas de l'ombre, fal d'oreille pour avoir 9 araignées au lieu de 6, ou ça dépend globalement du match-up. Ça peut être assez chaud parce que du coup tu vas remplir parfois ton board de 6, de 4-4 et ça va en jeter certaines ou... Normalement tu veux plutôt le keep avec Leroy, ça dépend aussi du match-up, mais... Disons que si ton fal d'oreille après un bon trade, tu peux le remonter, tu peux le jouer. Si ça se met bien, ça peut se faire, ça dépend du match-up. Contre aggro par exemple c'est beaucoup plus intéressant à la limite. Contre contrôle, il vaut mieux que tu le gardes pour Leroy je pense.
Impressionnant autant de pédagogie et dans le même minute être capable d'autant de trash talking. C'est pas du trash talk. Ah, peut-être un peu. Ah, peut-être un peu, je ne sais pas. Ouais, donc ville épée, n'assommé, tout ça on oublie globalement. Hein. Globalement, le jeu se fout de ma gueule. Bon, en gros, c'est ça. Je pense que le jeu se fout de ma gueule là. C'est pas comme si on avait 3 cartes pour gérer ça easy. Et que j'ai pas envie de rentrer mes gars là-dedans. Gros Van Cleef, il va se prendre son mot de l'ombre mort potentiel s'il le joue. J'ai vraiment pas envie de donner son mot Van Cleef. J'ai juste envie de faire double double Flamta Minestral. C'est-à-dire que je passe à 7 cartes, j'en pioche 2, je repasse à 9. Et ça me permet peut-être d'aller chercher ma ville épine. Oh, c'est ça le play. J'aime prendre le fucking Drake du T4, mais fuck it. Là, on passe à 10, on va jouer ça, on va repasser à 9. Madame Villepine qui devrait être là depuis un moment. T'arrives en retard, mais c'est pas grave, je pardonne. Je vais pardonner. Là, il devrait jouer son Brise Pénombre. Face, Brise Pénombre. Lol. Et nous, on attend gentiment que les araignées exploitent, notre commissaire. Une petite araignée. Je pense que le play c'est Chris Face et Ville Épine. Commence à avoir beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Là, si je chope Matelot, en fait, je peux taper Matelot, sang-froid, faceless, je balance 6, 12, pièce, heavy, prep, heavy, 12, 16, 20, j'ai 21 en main. Je peux déjà avoir potentiellement l'étal au prochain tour, quasiment, hein, grâce à pièce et prep sur Matelot. Il faut que je garde l'activation. J'ai une question de Rovatsek, comment décider si tu gères? Putain de caste. J'ai le seum. J'ai une question de Rovatsek, comment décider si tu gères le board adverse ou non? T'as une systématique gestion de cartes clés? Bah, ça dépend des games. Hein. Genre, c'est justement là où le jeu est important. Enfin, la connaissance du jeu est importante. Il faut que tu apprennes le jeu, que tu progresses pour savoir quand faire quoi, comment. C'est juste la connaissance du jeu, ça. À force, tu sauras. Petite salope. J'ai pas de commissaire toujours, ça commence à me gaver là. Ah, genre le commissaire a décidé de se foutre de ma gueule, mais genre puissance 1000 quoi. Un peu relou ça. Un peu relou le Villa commissaire. Ok, peut-être qu'il va faire un cryptichic, je sais pas, mais là pour moi on n'a pas la carte du match-up, il a chopé son gaze, autrement j'avais l'étal. S'il n'a pas le gaze, j'avais l'étal là. On avait setup pour ça. Donc là, si je gère pas trop le board, je pourrais être encore pas mal de dégâts. Partiel. Il gère beaucoup, c'est chiant. Je garde quand même beaucoup de spells pour le commissaire. On en a deux dans le deck, on a encore deux araignées. Pas mal de cartes intéressantes. Mais apparemment les flammes c'est plus marrant. On peut voir combien de dégâts là du coup. On a 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15. J'ai pas la mana pour tout faire.
Et en plus, il joue les gros trucs de heal, donc c'est un peu chiant là. C'est très 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 chiant. Crit psychique avec Fessa, ça renvoie quoi? Bah, ça va vite se transformer en manipulateur, logique. C'est juste logique. C'est juste logique, poto. Il n'y a pas l'étal. Avec mana infini, oui, il y a l'étal, mais on n'est pas dans un monde où il y a le mana infini, les gars. Donc non, il n'y a pas l'étal. On n'est pas dans le monde des bisounours avec ce mana infini, poto. Donc là, deux trucs relous. C'est qu'il a eu son gaze très tôt pour niquer ma combo. Autrement, je l'avais déjà l'étal. Sachant qu'il n'y a qu'un gaze dans son deck. Et moi, j'ai deux commissaires dans mon deck qui sont cartes clés que je ne touche pas. Et je l'ai dit que c'était une carte clé, donc je, bah, j'attends comme un connard mon commissaire, et du coup on joue pas avec la différence de carte, et on va se faire baiser à cause de ça. Parce que le commissaire qui serait tombé T6, c'était terminé, on a sauvé la pièce depuis tout à l'heure, en plus il joue Mass Heal, donc la game va être perdue, mais logiquement. Il a joué Geist, et j'ai pas eu de commissaire. Et même s'il se pourrait être là maintenant, le commissaire c'est limite trop tard, mais il faut qu'il se pourrait être maintenant. Et non, il reste 9 cartes, et il y a encore 2 commissaires dedans. C'est la carte clé du match-up, on a mulligan exprès, pour aller chercher des cartes à l'entour. Il a l'étal en allant face. Non, on a expliqué qu'on n'avait pas le mana infini. On l'a expliqué, on l'a dit. Donc, bah, ce qu'il nous reste à faire de mieux là, c'est d'essayer de setup l'étal le prochain tour en claquant nos lignes en espérant qu'il n'ait pas le creep psychique. Donc, on va la jouer comme ça. On va faire un faceless ici. On va balancer ça là. On va taper ici pour essayer de cover notre board. Et on va se prendre un vieux creep psychique. Mais c'est une défaite logique. Genre, le jeu s'est foutu de ma gueule. En même temps, ça fait depuis une semaine que je soude ma gueule. Hein. Genre putain, on l'a dit au début, on a même mulligan du SI7 en mode il faut le commissaire. Ils sont là tous les deux, les deux. Merci à toi, Dark Kevin. Fallait le garder en ma départ, garde Kappa. Non, mais de toute façon, je l'ai dit. C'est commissaire, si je l'ai, je le garde même en ma départ. Je l'ai même dit. J'aurais gardé mon commissaire en ma départ dans le match-up. Mais je ne l'ai même pas eu. Mais j'aurais gardé un commissaire en ma départ dans ce match-up, bien sûr. Parce que je connais le match-up. Juste là, bah regarde. On a dit le match-up, souvent on va le gagner parce qu'on joue avec la différentielle de cartes. Genre, on a limite souvent dans le match-up pioché tout notre deck que lui il doit être 15 cartes. Là, il me reste 8 cartes, puis 12. Voilà pourquoi on perd. Ça, plus le Geist. Si je chope pas son Geist, attends, on l'étale là. Si on chope un commissaire. On a plus de cartes, on le baise. Les deux facteurs nous ont baisé. Contre Paladin, on veut quoi? Contre Paladin, Matelot, ça peut aider à faire du clean, mais c'est pas ce que je vais garder. Si je l'ai, c'est ok, mais c'est pas ce que je vais keep. Je vais virer tout ça. Ce que je veux, moi, ce serait Flamta, ce serait attaque sournoise, SI7. Ouais. Nice. Bonjour Liège, question, je débloque toutes les cartes des classes, classe par classe. Déjà les démonistes et le rogue, donc je viens vers toi pour savoir quelle classe est le mieux pour monter la ladder. Avec toutes les decklists possibles. J'ai fait une vidéo sur YouTube, poto, les 9 decks du mois. Donc je t'invite à aller checker ça, tu auras les decklists, tu auras mon avis sur un petit peu la méta justement où j'en parle. Donc tu auras pas mal d'infos. Genre là, je te donnerai moins d'infos que si tu vas checker la vidéo. Rendez Flamta sa Paladin. Sûr contre Paladin, j'ai clairement envie d'avoir mes Flamta, donc je suis content d'avoir récupéré le sol du deck. Quoi. Ok. Je pense que j'y vais comme ça. On aurait pu taper là, mais le fait qu'il ait deux points de vie, ça peut aider sur un jongleur ou autre après. Donc je préfère taper avec l'arme plutôt que me dire que je vais essayer de sauver les stacks pour ça. Bon. Raison de plus. On peut faire Dag, Matelot. Mais est-ce que c'est le mieux? Est-ce que Dag trade avec le Flamta est pas meilleur? Il repose autre Flamta, on peut faire Matelot SI7 derrière sur appel aux armes. Pom, 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 pom.
L'assommé servira à quoi dans le match-up? Éventuellement, si je joue du roi liche ou genre de petite saloperie. Oh, il n'a pas le... Il n'a pas le... Le petit coca d'appel aux armes? Ou il veut pas le jouer? Je ne sais pas. J'ai quand même envie de faire le matelot face. Je me dis qu'au prochain tour, je peux du coup dag et malfrat. Alors, j'ai plus l'option d'activer le 6-7, sauf avec l'assommé, mais il a pas l'air d'avoir l'appel aux armes. S'il joue géant, old school, j'ai l'assommé au pire. Enfin, old school. Pas dire old school, mais je sais qu'il y a des qui jouent géant. Ouais, nique le point d'exclamation, manipulateur, c'est vrai. Bon, très très cher de la championne là. Elle aura fait son petit ménage. Lui aura rentré quelques dégâts. Mais la championne aura fait une belle déficit. Assommer Nestral, si on a assommé une option pour assommer, ce serait cool. Mais à mon avis, ça risque plutôt de flouder le board. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va flouder le board. Je comprenais juste pas pourquoi il avait commencé par la pièce. C'est là où l'éventail est godlike, mais ça voudrait dire que... Que j'aurais les cartes sur les réponses, mais ça c'est imaginaire, tu vois. Dans un monde parfait, on a la bonne réponse au bon timing, mais je... Allez, faut y croire, l'âme des cartes, les gars. L'éventail! Je t'appelle, je t'invoque! Eh non, ça c'est dire va te faire mettre que dalle. Va te faire voir, mon grand. Ben d'accord, je vais aller me faire voir, hein. Très bien, j'ai compris. En vrai, il faut absolument gérer les tokens là, avec tout ce qui peut suivre. Ouais, donc clairement, je vois pas d'éventail. Hein. Je vois pas d'éventail non plus là. Je pense que je fais le Ménestral et je full clean. Comme ça, on se méfie de taré, mais de... QT4, j'ai oublié le nom. Faut que tu face, poteau. Oh, triste. Je suis triste. Je voulais qu'il face. Je peux assommer, vu les pins. Assommer la 2A, vu les pins à 9-4, ça me va. Est-ce que j'aime mieux? On pourra semer la 9-4 et genre jouer Ménestrel. Est-ce que c'est mieux? Autrement, assommer, S6-7 dague, mais j'ai envie de draw aussi. Assommer Ménestrel est certainement mieux. Ouais. Même s'il a le trait, je m'en fous, j'ai envie d'avancer dans mon deck là. Bon, le commissaire, ça m'aiderait pas tant que je chope pas d'attaque sournoise ou de prep, mais bon, autant déjà le récupérer. L'avantage, c'est qu'on garde les pins si jamais il joue roi liche sur le T8. Et surtout, je vide un peu mon deck des serviteurs pour essayer de chercher des spells avec le commissaire, notamment des spells de clean. Donc ça me va. Il est presque bon le commissaire, mais il est un peu trop léger là. Il est presque bon, hein. J'ai envie d'assommer la 2-3, des 6-7 et de Van Cleef. Et je fais le commissaire au prochain tour. Le truc, c'est que j'aurais bien voulu garder l'assommer avec le commissaire. Est-ce que j'aime mieux? Bah, à ce moment-là, je fais juste S6-7, Van Cleef et Dag. Il
Comme ça, on fait un bon commissaire au prochain tour. On fait un petit Van Cleef. Pourquoi est-ce que je fais pas un gros Van Cleef? Parce que je suis contre un paladage et qu'il a des égalités, il a du tarim. Donc all in sur mon tarim et perdre la value sur mon commissaire pour après me semble moins bon. Voilà, le meilleur cible à assommer. Il faut pas qu'il me pète le cul non plus trop vite, mais je pense pas que ça va être le cas. Je pense qu'il va faire des trades tout à fait. Et du coup, j'ai un bon commissaire qu'on a setup. Ouais. Faut aller chercher une deuxième attaque sournoise, on en a dans le deck, on a plein de cartes, il nous reste beaucoup de sorts. Donc normalement là le commissaire doit être insane. Je dis bien normalement. On va commencer par attaque sournoise, on va seulement partir sur une prep assez vite. Plutôt là en soi vu que lui de toute façon il aura pas de copain. Allez hop. Je préfère Heavy. La combo. Allez, on avait poids dans la main, y a plus qu'à. Je pensais qu'il va être surpris. Peut-être. Peut-être. Voilà pour un manipulateur. Voilà, voilà, tout c'est clair. Shaman, what the fuck? Un chaman? Ça existe encore ça? En fait, mon mulligan dépend du deck adverse. A mon avis, c'est quoi le chaman? Si c'est un contrôle, je le fume. Un combo, je pense. Si c'est une liste un peu plus agressive, il vaut mieux que je mulligan comme ça. Genre pas un chaman pair. Donc si tu as un chaman pair, il vaut mieux que je garde que ça et encore. Mais j'ai quand même gardé ça. Mais il y a plus de chances que ce soit du pair. Parce que c'est un petit peu meilleur. Après, ça peut être aussi du chaman tempo chez Dorwalk. Dans quel cas, il vaut mieux aussi que je gère comme ça. Pour essayer de chercher attaque sournoise, flamta, 6-7. Tout dépend du deck. Mais vu que c'est un chaman et qu'on voit très peu de chaman, c'est difficile de savoir comment mulligan. Vu qu'on ne connaît pas exactement la liste. Là où, quand tu vois démo, tu sais que ça va être du cube ou du contrôle. Rarement Ozo. Et du coup, bah, des attaques sournoises, tu vas pas spécialement garder. Alors que contre Ozo, tu aurais gardé. Vaut-il mieux jouer ce deck par rapport au Valor Cut? Non, c'est juste pour les kiffs. C'est pas du pair. Ok. Ce n'est pas du chaman pair. Il y a beaucoup de chaman élémentaires, non. Non, pas du tout. Ok. J'aime bien quand même déjà taper maintenant. L'intérêt de taper là c'est... Si jamais ce petit coquin met un totem vague de mana, je pourrais Chris là et Matelot trade. Bon c'est pas le cas, mais au moins j'avais anticipé le totem vague de mana. Je pense pas qu'il joue du lock de feu haute, mais c'est pour avoir une option d'aller chercher facilement quoi. Ok, ton avis sur le match-up Shaman Pair Paladin Off. Paladin Off. Voilà. Bicorps, merci à toi. Merci beaucoup, poteau. Tu peux, avec côté évidemment, pas ban quelqu'un. J'ai le démon en moi. Ah, merci, bro. Non, je vais pas ban quelqu'un. Mais évite un T un peu, s'il te plaît.
Genre quand même, un minimum. Je suis pas très orthographe, mais quand même. Là, là j'ai les yeux qu'on voulait. C'est chaud, là. Ok, je vois quelle liste il joue. C'est la liste bah, combo, je pense, avec le T7 qui profite des petits spells. J'avais testé ce genre de liste. C'est moyen. On aime bien pièce VIP là-dessus, du coup, je pense. Parce qu'il a pas de draw, il a besoin de draw, ce deck. Donc, ouais. On va faire ce play chelou, qui est certainement le bon play ici. Parce qu'on connaît son deck. En tout cas, je pense connaître son deck. J'écris vite, c'est chaud. NP, poto. NP, t'inquiète. NP, NP, on s'en fout. Ok. On va jouer ça directement avant de faire de la draw avec le Chris. Et... on tente trade, faut essayer de protéger 4-4. Ouais, on peut. Tars joue cette version. Mais j'avais déjà joué ce genre de version et je pense que c'est... ok, honnêtement. Je sais pas quoi en penser, c'est pas mauvais. C'est pas non plus godlike. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant. Oh non, c'est chiant. C'est chiant de ouf là, putain. J'ai pas envie de tirer low space en fait, parce qu'il y a la 3-3 derrière. Donc, j'ai juste envie de Chris face, dag et juste face. Je vais remonter le prochain tour. Je sais pas, c'est chiant là. C'est trop trop chiant. Cette playlist, c'est celle qui me sert de réveil. J'ai pas envie d'assommer, j'ai pas envie de gérer ça en fait. Sap Ménestrel. Si je sape pas ça de toute façon. Après, je peux sap Ménestrel, ouais, trade, mais bon, je sais pas. Peut-être qu'on peut le faire. En vrai, il n'y a pas beaucoup de cibles à sap, donc on peut peut-être sap quand même. Le sap ne servira pas à grand chose, donc je suis ok sur sap. Vu qu'on prend pas sap tous les cartes qui de guerre. Et au moins, on avance dans le deck pour essayer de chercher le commissaire pour le prochain tour, ce qui est très important. Par contre, je suis pas sûr de trade ça. Hein. Faut commencer à rentrer les dégâts là au bout d'un moment. Allez, go. Surtout qu'il a joué ses deux moustiques, donc il a plus le côté récup de vie. Yep, ça me va. Non, ça me va. Allez, face, c'était ok avec le Chris, mais c'est certainement un peu mieux de sap ici, soit timing où on n'en fera rien. Enfin, on n'en fera rien après sur d'autres fighters. Aux autres, qui va la reposer, mais si la pose soit timing où je fais mon commissaire, bah ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Coucou. 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 Faut pas d'axe noise, du coup sur un volcan il trade, autrement il aura 4, 8, 12. Ouais non, on laisse comme ça. S'il a fait mal, c'est qu'il a pas pioché sur l'acolyte. Ce qu'il fout dans la merde, c'est l'acolyte. Mais comme je t'ai dit, il y a la différence entre les deux decks, c'est la pioche, regardez. C'est pour ça que le matchup est certainement bon pour moi. J'ai pas check si on peut voir l'étal ici, j'ai pas regardé, j'ai pas compté, j'imagine peut-être. Le fessé, ça mènera pas les dégâts là-dessus, hein, vu que ça, pas la, ça ne récupérera pas la charge. On peut attaque sournoise. 2, 4, 5, on doit voir l'étal là ici. Avec le double matelot. Ah, mais je pourrais pas faire le 6-7. On a combien là? 8, 16. 24, oui, l'étal, hein. L'étal, l'étal, l'étal. Du coup, dag. Attaque sournoise. Ah, coucou, toi. Bah, du coup, on peut le faire. Ah non, je vois pas la mana. Il manquera. Ah. Oh, c'est triste.
Enfin, j'ai l'état là, mais je veux dire, c'est triste de pas pouvoir faire le festas là-dessus, quoi. Enfin, après, je peux le faire, j'ai quand même l'état là. Vad, 28, oui, je peux le faire quand même. Je peux le faire en mode petit. Ouais, mais je suis monte là, faut que j'ai un festas, ça me plaît pas. Excusez-moi, je tryhard, désolé. Au moins, si on retombe contre lui, il aura pas la faux. C'est important de pas lui donner cette info là. Bah, je voulais manipulateur là-dessus, mais ça veut dire que je donne la faux, c'est pas cool. Je vais pas avoir le temps de taper. Oh, sorry, GBM, sorry, j'étais perdu en même pensée. My bad. C'est pas le but. Hey, n'hésite pas à t'abonner pour ouvrir plein de légendaires dorés. Et n'oubliez pas, moins tu dors, plus t'es fort.